découvert la Loire il y a de nombreuses années maintenant, avec une bande de fous qui construisaient un bateau en bois au bord de la Loire, et je suis tombé amoureux. Et donc on a navigué sur la Mayenne, à Brest, sur la Loire essentiellement bien sûr, et jusqu'en 2016 où j'ai effectivement mon petit bateau Brise-Grève qui me suit partout maintenant, enfin c'est moi qui le suis d'ailleurs, et voilà, on vit des moments assez formidables. Là, la Grande Remontée, ça a été pour nous encore un fort moment de partage, d'échange, de connaissances, et puis de mise en œuvre des techniques, parce qu'en fait, naviguer en Loire du côté du Toureil ou de Brémont, ou d'où vient le bateau, ou de naviguer effectivement sur Orléans, c'est pas du tout pareil, il y a beaucoup plus de rochers et tout ça, quoi. On navigue sur la Loire avec les bancs de sable, avec des courants, c'est pas un canal, hein, quand on parle de fleuve sauvage, c'est pas vraiment un fleuve sauvage, mais pour autant, elle nécessite une navigation et une lecture permanente, hein, parce qu'on ne peut pas passer n'importe où, on ne passe pas au milieu, comme sur un canal où effectivement c'est creusé, et puis on y va comme ça, quoi. Toute première, c'était un galop d'essai et c'était vraiment sympa. 2003, ça a vraiment commencé jusque donc cette année, donc les 20 ans, et vraiment quelque chose d'assez formidable de se réunir tous, des gens qu'on ne voit que tous les deux ans, et on a toujours grand plaisir à se revoir et à partager un peu les moments de navigation qu'on a pu connaître et vivre pendant ces années écoulées.